Hello, hello! Je Bon le matin! sentais, c'est le vendredi matin. Allô, allô, belle communauté beauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici Tracy MacArthur pour Business Beauté, accompagnée de Christelle Seré, coach marketing. Aujourd'hui, on vous parle de notre collaboration. On vous parle de Top Biz Beauté. Puis, on veut votre feedback, votre input, vos commentaires, vos besoins, vos défis. On veut faire la conversation avec vous autres aujourd'hui. On veut avoir votre feedback. On va vous parler de toute la formation qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais en même temps, c'est le temps de dire, écoute, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ça ou de ça. On va vous écouter parce qu'on l'a bâti, cette formation-là, justement pour vous autres et pour s'entraider. Oui. Ah! Tu vois, j'écris en ton nom, ma belle Christelle. Ah bon, ben c'est Aujourd'hui. parfait. On est une double Voilà. identité aujourd'hui. Alors, on va vous parler aujourd'hui de la formation Top Biz Beauté qui commence le 31 octobre. Donc, ça s'en vient vraiment vite. C'est une valeur de 16 000 $ en contenu. Fait que c'est Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qu'on vous a préparé. Et on a une économie, évidemment, on fait ça en groupe. Fait que c'est intéressant au niveau du prix. Puis, on a un rabais aussi rapidement là, de 500 $ supplémentaires là, sur notre prix de notre formation. Yes. Tracy, j'ai envie qu'on se jase un peu justement de cette formation-là. Ouais. En fait, je vais vous expliquer comment ça que Christelle et moi, on a décidé de faire quelque chose ensemble. En tant qu'entrepreneur, on est beaucoup dans notre tête. On est toujours dans la création de mille et un projets, puis on cherche toujours à se dépasser. Puis cet été, ben, en tout cas, même avant cet été, là, ceux qui me suivent un peu, vous le savez, j'ai eu un moment difficile, puis je me suis retirée là, pendant un bon bout de temps. Puis je voulais pas recommencer à faire les choses comme à l'habitude. Et une chose que j'ai intégrée dans ma prise de décision, c'est d'écouter ma petite voix. Et puis cet été, j'étais en pause, puis à un moment donné, Christelle, elle m'a popé dans la tête comme ça. Pouf, est arrivée. T'étais Fait que là, en voyage, je pense, en oui, plus. j'étais en voyage en plus, j'étais en Floride avec ma famille en vacances. Puis Christelle, elle m'est arrivée comme ça. Puis j'ai dit, bon, ben, il faut que j'écoute ce signe-là, il faut que j'écoute cette petite voix-là. Puis quand je l'ai écoutée, ça m'a dit, pars une formation avec Christelle. Fait que tout de suite, en vacances, j'ai pris mon cellulaire, j'ai écrit à Christelle, je dis, allô, comment ça va? Je suis en vacances, mais je viens de penser à toi. T'aurais-tu le goût qu'on fasse une formation ensemble? Elle m'a répondu tout de suite. Oui, puis la bonne chose, c'est que moi, ça faisait un petit bout de temps que ça me cogitait aussi dans la tête, puis je me disais, j'ai envie de faire quelque chose, une formation, mais plus complète, puis j'ai envie de travailler avec quelqu'un. Ah oui. Fait que le timing était tellement parfait, puis c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer ensemble dans cette belle aventure. Puis j'espère que juste cette petite histoire-là peut vous inspirer parce que des collaborations, là, même dans votre domaine, c'est possible. Tu sais, vous avez un ben vous, il y en a plusieurs qui le faites déjà. Vous collaborez avec une esthéticienne si vous êtes coiffeuse et vice-versa. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est de l'accompagnement global, spécifique, niché pour les entrepreneurs dans le domaine de la beauté. Fait que je vous accompagne au niveau de la gestion, de l'administration, de la comptabilité, de la rentabilité, un peu du marketing, surtout des ressources humaines. Mais le volet marketing, oui, j'ai les bases. Mais Christelle, c'est son expertise. Elle fait ça depuis plus de 10 ans. Elle 20 connaît ans. les... 20 Hein? ans. Oh, 20 ans! 20 ans. Ouais. Ça a l'air tellement jeune. Donc, tu as eu ton agence pendant 10 ans. Exactement. J'ai eu une agence web pendant 10 ans. Fait que c'est pour ça, tu sais, je veux toujours offrir ce qu'il y a de mieux à la clientèle. Puis, je le vois aller, ces réseaux sociaux, depuis un bon bout de temps. Puis, mon Dieu Seigneur, que c'est la bête noire. Puis, c'est compliqué. Puis, tout le monde cherche à avoir des solutions rapides puis efficaces. Mais oui, ça se fait. Oui, ça se fait, des solutions rapides et efficaces, mais il faut quand même comprendre les dessous et faire affaire avec des experts pour bien nous enseigner, bien nous renseigner pour prendre les bonnes décisions puis sauver du temps.
Oui, puis des fois, le point de vue externe aussi vient renforcer ce qu'on sait déjà, ce qu'on a peur, parce que je vais parler, par exemple, au niveau marketing et principalement les réseaux sociaux. Des fois, les gens ils ont peur de se mettre de l'avant, puis on a juste besoin de se sentir épaulé pour dire « OK, go, puis on y va ». Exact. Ça a la double connotation. Il y a tout un aspect enseignement qui est immense, plein de choses qu'on ne connaît pas, mais le volet aussi accompagnement puis encouragement qui est super important aussi. Là. Mm-hmm. Oh, oui, oui. Tu sais, dans le fond, j'ai le goût de vous poser une première question, puis après ça, j'aimerais ça aussi vous en poser d'autres pour savoir vraiment qu'est-ce que vous vivez puis qu'est-ce que vous avez besoin. Mais pensez-vous que dans votre domaine, si vous n'avez pas de formation, vous allez avancer, hein, en tant qu'esthéticienne, en tant que coiffeuse? La réponse est bien évidemment non. Hein? On a, parce que c'est un monde artistique, puis c'est un monde aussi, là, tu sais, au niveau de la technique, tout ça, ça va très vite. Vous avez une entreprise, gang. Que vous êtes travailleur autonome ou que vous avez des employés, vous avez une entreprise. Vous avez besoin de formation ou de coaching ou d'accompagnement pour comprendre la business, prendre les bonnes décisions, vous renouveler, puis faire grandir votre entreprise. Fait que je vous invite vraiment à penser à ça. Parce que je le sais que pour la plupart, tu sais, il n'y en a pas énormément de formations qui existent. Ils sont adaptées aussi. Exactement. Parce qu'on en, il y en a des formations, on ne se le cachera pas, mais souvent, c'est général, ça ne rentre pas, c'est pas approfondi, ça reste avec une certaine distance. Tandis que là, c'est vraiment des cas concrets avec votre domaine aussi. Oui, c'est, les mots sont précis, les chiffres sont précis, les statistiques sont précises. Tout était créé pour le domaine. Mm-hmm. J'aimerais ça vous entendre. On parle de réseaux sociaux. C'est, je pense, hein, l'éléphant dans la pièce tout le temps. J'aimerais ça savoir, ceux qui nous regardent en ce moment, qui est-ce qui a essayé ou qui en fait là, des publications puis qui fait de la gestion des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce qui changerait votre vie au niveau des, de la gestion des réseaux sociaux? J'aimerais ça vous entendre. Oui, j'ai Marc Chantal qui pose la question si on va avoir du matériel de soutien. Absolument. Effectivement, du matériel pour vous aider à réfléchir aussi. Et évidemment, l'aspect technique avec des documents d'appoint là, pour vous aider à travers le temps. Puis tout va être détaillé aussi. Puis on va rentrer aussi dans les besoins de chacun des questions. Bien, des questions spécifiques aussi pour vous aider vraiment à avoir les meilleurs outils nécessaires. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un volet technique pour les réseaux sociaux, mais vraiment un volet stratégique avec des vrais exemples. Comment qu'on parle à notre communauté? Ça sera pas juste un survol, ça va être adapté avec des cas concrets. Bien évidemment, vous allez devoir les adapter à votre réalité aussi, mais une réalité qui va être vraiment, tu sais, qui va déjà avoir été pré-préparée pour vous autres aussi. Fait que l'aspect technique, effectivement, va être là. On va avoir du matériel pour vous aider. Ah oui, tout va être couvert, là. Soyez sans crainte, là, Marie-Chantal. Les réponses aux questions, le support, le soutien, l'accompagnement, les cahiers d'exercices, les documents, les systèmes déjà faits, préparés pour vous autres. On vous met quasiment les mots dans la bouche, puis il vous reste juste à y ajouter votre personnalité. C'est très important. Hein? Oui. Les vidéos fonctionnent mieux que les publications. J'ai l'impression que les clientes préfèrent nous entendre. C'est tout à fait vrai. On achète des gens quand on est sur les réseaux sociaux. On travaille avec des gens. Fait que c'est sûr que quand on se voit, de un, au niveau de l'algorithme, les vidéos sont encore plus poussées. Puis quand je vois la personne avec qui je veux travailler, c'est clair qu'il y a un sentiment d'appartenance qui rentre en ligne de compte. Mm-hmm. J'ai envie de faire une petite parenthèse, même si on ne devait pas le faire tout de suite. On a préparé pour vous autres un challenge qui est maintenant officiellement disponible. Il fallait vous inscrire, Tracy, si tu veux. Oui, je vais mettre le lien tout de suite. Alors, c'est sur notre site de Top Biz Beauté, donc le site de la formation. On a fait un challenge gratuit Top Biz Beauté. Donc, pour vous préparer à la grosse formation, c'est 4 jours de formation consécutifs. Vous pouvez vous inscrire. Et évidemment, on a parlé du volet vidéo dedans. Fait que vous allez avoir un peu plus d'informations. Puis, ça va vous donner un petit hint de ce qu'on va parler aussi dans la formation un peu plus en profondeur.
Exactement. Fait que c'est ce que j'avais le goût de répondre aussi à Evelyne. Oui, le volet vidéo va être adressé. Donc, déjà, on répond à un besoin. Quand on dit 4 jours de formation, là, vous n'êtes pas 4 jours devant l'écran à suivre, là, Oui. non. Parce que aussi, les deux objections qui reviennent tout le temps, puis on en parlait, Christelle et moi, tantôt, puis moi, j'entends ces deux mêmes objections-là depuis 6 ans. Je manque d'argent, j'aimerais bien ça, mais j'ai pas le budget, puis je manque de temps. Vous allez voir, inscrivez-vous au challenge parce que la façon qu'on a créé les formations, c'est 15-20 minutes les formations. Mais vous allez voir à quel point c'est efficace, puis comment que le contenu, vous pouvez l'intégrer rapidement. Fait qu'on élimine l'objection du temps, on vous amène tout de suite dans l'efficacité pour que vous soyez capable là, c'est ça, de passer à un autre niveau. Oui, puis il y a quelqu'un qui pose la question aussi, est-ce que les cours se font en ligne? Tout à fait, la formation Top Biz Beauté, c'est uniquement en ligne, c'est sur Zoom. Donc, on a 2 heures qu'on va enregistrer. Fait que si pour X raison, une semaine, vous ne pouvez pas être présente, ben vous allez pouvoir écouter le replay. On le met dans le groupe, un groupe privé après. Fait que vous allez pouvoir y avoir accès si jamais vous manquez. Mais c'est en live, on est vraiment là sur place pendant les 2 heures pour notre sujet de formation de la semaine. Et on se revoit en bonus le vendredi matin de 8 à 9, une petite heure pour faire un recap de ce qu'on a parlé, puis pour répondre à toutes les questions, parce qu'on le sait, hein, quand on fait de la formation, là, on prend de l'information, puis à un moment donné, ben, on a plein de questions qui nous popent. On a réservé notre vendredi matin justement pour ça. Ça va être notre vendredi FAQ tout simplement, puis qu'on va mettre aussi dans le groupe. Pourquoi? Ben parce qu'on veut votre réussite, on veut votre succès, on ne veut pas juste vous lancer de l'information puis de vous laisser aller avec ça. Fait qu'on vous part en force le lundi matin avec un plan d'action à intégrer. Vous allez le vivre, puis le vendredi, on est là pour répondre à vos questions puis vos petits blocages. Donc, Exactement. est-ce qu'il y a des propriétaires ici? Puis si, mettons, vous êtes en replay, vous ferez replay, puis vous direz, je suis propriétaire employeur, donc j'ai des employés. Levez la main et j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous courez après votre queue? Est-ce que vous tournez en rond, puis ça spinne, ça spinne, ça spinne? Le temps, il n'y en a juste pas, puis vos employés sont en déficit d'attention. Il court après maman à tous les jours. Je suis là, je suis là, je suis là, j'ai besoin de toi. Ils ont mille et une questions. Puis vous aimeriez donc ça, trouver du temps pour être avec eux autres, mais vous ne l'avez juste pas. Puis à tous les jours, vous vous dites, oui, je vais prendre du temps aujourd'hui, puis il arrive plein d'affaires, puis vous ne l'avez pas. Ça résonne-tu avec quelqu'un, ça? Oui, il y a quelques mains levées dans le chat, je te le Oui. confirme. Et par expérience, c'est ce qu'on entend aussi là, à chaque fois qu'on est en coaching, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes Exact. problématiques. Fait que Tracy, toi, tu as un beau volet là-dessus. Oui, absolument. Puis ce n'est pas juste des stratégies, mais c'est des outils qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à sauver du temps, maximiser votre temps, aussi réaliser encore plus l'importance de prendre du temps avec vos employés. Une fois que vous prenez ce temps-là, ben, qu'est-ce que vous faites? Fait qu'à la fin de la formation, vous allez sortir avec des outils puis du contenu qui vont faire en sorte de libérer du temps à votre horaire pour vous mettre disponible de corps et d'esprit pour être avec vos employés, puis que tout le monde soit heureux, puis que tout le monde soit engagé, puis que tout le monde travaille en équipe. Est-ce que ça a l'air comme irréel, ce que je vous dis là? Hein? Levez la main. C'est nous qui l'ont essayé, ils disent, regarde, ça ne fonctionne pas. Hein? Ben, je vous dis, faites confiance parce que oui, quand on a la bonne façon de faire, puis qu'on est vraiment focus, on y arrive, c'est tout à fait possible. Les centaines de personnes que j'ai pu accompagner depuis que je fais ça et qui ont intégré ces façons de faire-là, écoutez, ça a changé leur vie au niveau de l'équipe, la mobilisation, des employés, l'engagement. Les employés sont plus autonomes, sont plus heureux. Ils vont d'eux autres même pour atteindre leur objectif. Ça va vraiment bien.
quand on sent le sentiment d'appartenance à un institut, c'est clair que ça fait toute une différence aussi. Fait que ça, c'est un beau gros volet qui est assez important parce que les employés, c'est eux qui nous ramènent l'argent. Sans eux, ben on en fait moins. On n'existe pas, on est travailleurs autonomes si on a une entreprise, pas d'employés, tu sais. Exactement. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui ont des, pas des employés, mais des travailleurs autonomes qui travaillent sous leur chapeau, des collaborateurs. C'est tout cet esprit d'équipe-là aussi. Fait que ça touche pas juste les employés. On peut appliquer ça aussi autrement avec les gens avec qui on travaille sous le même toit aussi. Il y en a-tu qui ont de la misère à déléguer? Hein, que vous soyez travailleur autonome ou propriétaire avec des employés, encore là, levez la main, il y en a-tu qui ont de la difficulté à déléguer? Pour plein de raisons. Hein? Mais la première, c'est le temps. Oui, mais ça prend du temps, Tracy, déléguer. Il faut tout que je les explique. Puis là, ils ont de la misère à comprendre. Puis là, après ça, ils font tout croche. Puis là, il faut que je fasse des suivis. Je suis tout soumise à le faire moi-même. Hein? Mais ça aussi, on va l'adresser dans la formation. Donc, avec le module comment déléguer, apprendre à déléguer, bien là, vous allez le faire facilement, dans le temps aussi. Ça ne prendra pas tout votre temps. Puis là, vous allez vous libérer. Puis savez-vous quoi aussi? Ceux qui ont des employés, là, puis qui ont de la difficulté avec l'engagement, ça fait en sorte que l'employé se sent plus reconnu. Vous avez confiance en lui pour déléguer une tâche, une fonction, une responsabilité, un projet. Ça lie l'équipe à la direction. Tout à fait. Puis moi, j'ai une autre question aussi à vous poser. Est-ce que vous trouvez des fois que vous mettez beaucoup d'énergie à aller chercher des nouveaux clients, mais les clients ne reviennent pas nécessairement spontanément après? Ouais. On appelle ça la fidélisation de la clientèle. Puis ça, c'est un gros module aussi qu'on va parler. Comment faire en sorte que les clients, là, vous n'ayez pas besoin d'aller toujours chercher des nouveaux clients, mais que vous allez être capable de fidéliser ceux qui sont avec vous puis qui vont faire du « repeat business » qu'on appelle. Parce que ça coûte pas mal plus cher aller chercher un nouveau client que de faire en sorte que notre client revient et revient. C'est des ventes assurées sans travail quand on fait bien notre fidélisation aussi. C'est important de le comprendre. Parce que vous êtes en affaires, que ça soit depuis un an, que ça soit depuis 30 ans, votre entreprise, vous voulez la développer, vous voulez la faire grandir, évoluer, passer à d'autres niveaux, faire plus d'argent. Mais si vous êtes constamment dans le même cycle d'attirer des clients, posez-vous la question. Vous n'êtes pas supposé d'être dans ce cycle-là constamment. Si vous fidélisez vos clients, là, vous allez créer des plans promotionnels ou marketing pour attirer des nouveaux clients, ajoutés aux clients existants. Et c'est là que l'entreprise va grandir. C'est là que vos employés vont grandir. Parce que notre force, elle est dans ceux qui nous connaissent déjà. Donc, eux autres, la vente, elle est préfaite, entre guillemets. Il suffit juste de maintenir la relation pour garder ce sentiment-là. Puis ça aussi, c'est comme on disait, c'est un volet qui est important qu'on va développer. On va développer pas mal là-dessus aussi. Oui. Je reviens vite à la petite vidéo parce que tu vois, d'entrée de jeu, hein, je parlais que mon intuition en 2022-2023, pour moi, c'est important. Bref, ça fait 3 fois que ça me revient par rapport aux vidéos. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous apprenne comment faire des lives? Tu sais, pour que vous soyez là, connecté, que ça soit simple, facile, ça prenne pas de temps, que ça coûte pas une fortune, hein, vous avez pas besoin non plus d'un éclairage à lampe finie, puis d'un gros micro, puis d'être préparé un mois à l'avance. Aimeriez-vous ça qu'on ajoute un petit volet comment faire des lives? Fait que si ça vous tente, que vous soyez en replay ou là avec nous autres en ce moment, regarde, j'ai Marie-Chantal qui dit oui! Fait que si vous avez aussi des questionnements, des idées, des sujets qu'on n'a pas regardés, tu sais, si vous êtes allé voir sur le site de Top Bibs Beauté, vous avez vraiment tous les programmes module par module qu'on vous présente. Mm-hmm. Mais
on est ouverte à rajouter du contenu si on en a besoin, parce que ça, si on voit, par exemple, l'exemple du live, que c'est un réel problème, bien, on veut les adresser, on veut vous donner des trucs, des astuces, puis une méthode de travail pour justement être capable de faire des lives puis de rajouter du contenu. Fait qu'il ne faut pas hésiter, dans le fond, à aller à nous donner vos suggestions pour qu'on puisse offrir la formation la plus parfaite, dans le fond, celle Exactement. Que vous avez le plus besoin. Parce que notre but, c'est pas juste de donner de la formation pour donner de la formation. Notre but, c'est vraiment que ça vous aide, que vous puissiez prendre tous ces outils-là et les appliquer au sein de votre business pour la faire croître, tout simplement. Mm-hmm. Marie-Chantal, elle demande, est-ce qu'il va y avoir un module travailleur autonome? Bien, on en parle, en fait, dedans, tu sais, dans les comparatifs. On va aussi parler de la différence entre quand tu as des employés puis quand tu es travailleur autonome. Exemple, Tracy parlait tout à l'heure du volet délégué. Oui, on va parler de délégué aux employés, mais on va aussi parler de quand tu es travailleur autonome, tu vas déléguer différemment. Fait que notre formation, elle est vraiment appuyée sur les deux, sur les travailleurs autonomes, autant que les petites entreprises. Oui. Puis Marie-Chantal, j'aimerais ça, si tu peux me spécifier c'est quoi ton besoin quand tu dis que vous allez avoir un module travailleur autonome. Qu'est-ce que tu as besoin en tant que travailleur autonome, toi, pour faire grandir ton entreprise? Puis, on va entendre, je vais écouter, puis on va introduire. C'est pas les outils, puis c'est pas ça qui manque pour Christelle et moi. Mm-hmm. Mais aussi, pour revenir sur les deux objections là, de temps et d'argent, le temps, on y a pensé. C'est à toutes les semaines, c'est 2 heures ensemble. On répond à vos questions, on vous donne l'enseignement, on fait le suivi, on a un groupe Facebook comme ça, tu sais, si vous êtes dans pressé ou vous êtes dans l'engrenage là, d'une semaine là, qui est très, très occupée, vous avez accès à nous en tout temps, en plus d'avoir les Q&A le vendredi matin. Donc, le temps n'est pas un problème. Puis, je vais appuyer encore plus loin par rapport au temps, c'est que l'enseignement que vous allez recevoir va vous donner des astuces pour économiser du temps. Tout à fait. Fait que maximiser votre temps, trouver du temps, c'est vraiment à travers la formation que vous allez réussir là, à obtenir ça. Côté budget, l'autre objection, ben c'est pas compliqué. Christelle l'a dit d'entrée de jeu, hein, si vous avez accès à nous pour cette formation-là, si vous auriez accès à nous en privé, c'est 16 000 $ que ça vous coûterait. Là, parce qu'on a choisi de le faire en groupe pour plein de raisons positives, hein, parce qu'on a tout l'esprit aussi là, de groupe qui va nous aider, là, qui va vous aider à vous élever. Donc, on peut l'offrir à ce moment-là à moindre coût. Exactement. Puis on a une offre, comme on disait, là, la formation, on vous offre un 500 $ d'économie de plus. Fait que c'est le temps de vous inscrire. Et je fais aussi une petite parenthèse. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir accès à des subventions aussi de Service Québec. C'est pas tout le monde qui a accès, mais si vous pouvez vous informer là, pour ce volet-là aussi. Ouais. Donc, c'est Service Québec qui est libre de donner ou pas des subventions selon un paquet de facteurs, bien évidemment. Mais ça peut être un autre volet aussi à considérer. Mais d'entrée de jeu, là, c'est quand on l'étale ce budget-là sur les 4 mois de formation, parce qu'en réalité, c'est sur 5 mois, mais on vous donne le mois de décembre off parce qu'on sait que dans l'esthétique, dans la coiffure, décembre, c'est le bordel. Fait qu'on vous donne off pour que vous ayez du temps pour vous occuper juste de vos clients pendant cette période-là. Ouais. On ne vous donnera pas de devoirs en décembre, on va vous donner de l'énergie. Oui, exactement. On va vous donner, hein? On fait des 5 à 7, on va... On va chanter une petite tune de Noël pour vous motiver. Oh, ça va me faire plaisir. J'adore Noël, ça va me faire plaisir. Oui, c'est mon mois préféré aussi. Est-ce que vous avez, là j'aimerais ça, encore là, ceux qui sont live avec nous autres, puis ceux qui vont nous regarder en replay, là, de le dire en commentaire, j'aimerais ça si tout le monde pouvait nommer un défi, le plus grand défi que vous vivez dans votre entreprise, le défi pour lequel vous dites, si j'avais une solution simple, facile, écoute, ça changerait ma vie. J'aimerais ça savoir c'est quoi.
Oui, ça c'est une très bonne question aussi. Puis, dans le fond, n'oubliez pas aussi qu'au travers de tout ça, vous pouvez participer au challenge gratuit Top Biz Beauté. Vous avez juste à vous inscrire sur le site web de Top Biz Beauté. Puis, vous avez, on a mis le lien là en dessous, topbizbeauté/challenge gratuit, mais si vous allez sur le site en haut dans le menu, vous avez le lien direct pour vous inscrire. Puis, on va pouvoir, dans le fond, vous allez avoir accès à 4 jours de formation avec des mini-formations. Donc, quelque chose qui s'écoute très rapidement, mais qui va vous amener un point de plus où on rentre dans un sujet un petit peu plus en profondeur. Donc, ça va vous aider, évidemment, dans ceux-là. On va re-rentrer en profondeur aussi dans la formation avec des outils et des éléments comme ça, mais ça va vous donner de quoi là, pour vous motiver un petit peu. Oui. J'aime ça. Marie-Chantal a dit « Trouver à rêver plus grand, aller plus loin que le standard. » J'adore. Fait que oui, merci. Merci beaucoup parce qu'on est beaucoup, beaucoup dans le comment, Christelle et moi, pour vous apporter des outils, des stratégies puis plein de choses pour accélérer le mouvement dans votre entreprise, passer à un autre niveau, puis tout ça, mais toute la question de l'état d'esprit aussi, la confiance en soi, l'estime de soi, oui, on va l'adresser parce que ça fait partie, c'est comme avoir, tu sais, 2 bras, un qui sert à faire quelque chose de technique, puis l'autre, si il n'y a pas la confiance, ben il sera pas capable d'aller de l'avant, il sera pas capable de le faire. Fait que oui, c'est tellement un gros volet dans le monde entrepreneurial. Et la confiance, ça se bâtit, parce que c'est sûr que quand tu commences quelque chose, c'est toujours nerveux, tu es toujours plus nerveux, puis à un moment donné, c'est ça. La confiance, ça se bâtit avec le temps. Il suffit de s'aider, de vouloir s'aider aussi. Oui, fait qu'il va en avoir des outils puis de l'enseignement à ce niveau-là. Je tripe ma vie à faire du développement personnel, puis quand je réussis à travailler avec quelqu'un qui a un déclic à un moment donné, puis qui fait comme oh! Tu sais, là, ça s'ouvre comme une fleur au printemps, ou bien ça devient un papillon, c'est tellement, tellement gratifiant. Hein, comme vous le faites en coiffeur puis en esthétique, tu sais, quand vous réussissez à transformer quelqu'un qui devient un papillon, c'est ça la paye, hein? Tout à fait. C'est le plus beau cadeau, c'est les gens qui réussissent. Ouais. On veut qu'ils prennent, on veut que tout ce qu'on peut apporter génère de quoi. On veut le savoir, on veut le ressentir. Puis c'est ça qui est beau. Ah, good. Sharon, merci pour cette vidéo. It encourages me to continue on my side projects. Bravo, bravo. Bravo, Sharon. Yes. Félicitations. Félicitations d'être là, tout le monde aussi. Oui. Parce que si vous prenez le temps là un vendredi matin de vous connecter avec nous autres là, ben déjà c'est parce que vous voulez, t'sais. Puis bravo aussi d'avoir le courage de vouloir faire quelque chose pour vous dépasser, pour régler certaines situations, pour être mieux dans votre vie, c'est pas juste la vie entrepreneuriale professionnelle, il y a aussi notre vie, notre qualité de vie, ça on en a pas parlé, mais notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que vous viviez une entreprise à succès, mais sans pour autant négliger votre qualité de vie. Oui, parce que le but, c'est pas de s'immerger dans le travail. Au contraire, on veut mieux organiser notre travail pour faire plus d'argent, pour être plus rentable surtout, pour avoir du temps pour soi, parce que ça, on sait si c'est l'équilibre entre vie familiale, vie personnelle et la vie de travail qui fait qu'on a une belle vie bien réussie aussi. On pourrait vous dire des trucs comme acheter la formation, puis vous allez gagner 100 000 de plus par année. Puis on pourrait tout vous lancer ça. Puis oui, ça serait tout à fait possible, mais c'est pas ça notre pitch. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est du long terme. C'est que c'est d'arriver à vivre votre vie de rêve à votre façon, selon vos conditions, avec votre capacité, mais tu sais, d'améliorer, d'être plus heureux, d'être plus zen, d'être plus riche. Alors, en conclusion, parce que le temps passe vite, puis on sait que le temps est précieux, bien, inscrivez-vous au challenge 4 jours si ce n'est pas déjà fait. Allez sur le site, on va mettre les informations aussi en commentaire. On va republier le live après sur nos réseaux, donc vous allez pouvoir rien manquer du lien.
Puis, je vous invite fortement à tout de suite, là, à arrêter de niaiser puis d'attendre. Là. Si vous voulez que votre entreprise parte, lève, ben c'est le temps de s'inscrire. Puis, remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Absolument. Parce que votre entreprise va juste croître plus lentement. Là, on est là justement, vous êtes, si vous nous suivez aujourd'hui puis vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez vraiment un réel besoin de développer puis de réussir. Donc, c'est le temps. Arrêtez de niaiser, là. On passe sur le bouton « Je m'inscris ». Profitez de la bête 500 $ puis on va se voir dès le 31 octobre avec un 17 modules extraordinaire. C'est pas plus compliqué que ça. On pèse sur le bouton « Je m'inscris », puis j'ai fait un petit calcul pour vous autres, là. Ça vous coûte même pas les pourboires d'une semaine pour payer la formation totale. Donc, il y a pas de raison de procrastiner. Si vous procrastinez, ben peut-être aller vérifier à l'intérieur, peut-être parce que vous avez peur de réussir. Puis ça serait peut-être un autre sujet qu'on va aborder dans la formation. Fait qu'en terminant, j'aimerais ça en commentaire rapidement avec des thumbs up ou des cœurs. Qui est-ce qui va s'inscrire au challenge? Qui est-ce qui va venir nous rejoindre dans le challenge 4 jours? Puis avec ça, écoutez, merci d'être là. Succès et bonheur toujours. Puis on se voit le 31 octobre dans la formation, parce que là, ça va exploser pour vous autres. Absolument. Hey, juste une petite dernière. Ça vous tente de venir nous faire un câlin? On est au congrès d'esthétique, au ESI, qui s'en vient très, très bientôt. On a un kiosque. Je me souviens pas si c'est 518 ou 538, là, mais Business Beauté, vous pouvez pas le manquer. Exactement. Fait que, venez nous faire la bise. On va se voir en vrai, on va se toucher. OK. Merci. Merci tout le monde. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même poste, puis on vous donne du contenu informatif pour vous aider à continuer à développer vos entreprises. Merci, Christelle. Merci, Chrissy. À bientôt. Bye.